On me dit la connexion est faible. Voilà. Papa, bon, je suis en compagnie de ma fille, oui. Ah, joli le dessin. Waouh. Tiens, va qu'il va faire le dessin. Salut Adibou, salut David, salut Ludivine. Bah écoute Adibou, quand c'est l'heure de la bouffe, c'est l'après-midi, après tu vas me dire oui mais c'est l'heure du travail. Ciao mon Razvap. Salut Mikaël, salut Seb, salut Fabrice. Ciao Sorellina, bonjour Josno. Coco. Salut Gustavo. Bon, on va chercher. Je retourne. Salut Sébastien. On va aller prendre, non, pas le 60. Voilà. L'image, elle est quand même bon. Salut Johan. Salut Fabrice. Ah, attendez, ma princesse veut aller aux toilettes, alors je suis désolé, il faut que j'aille ouvrir la porte. Et voilà, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Elle est pire que moi, elle est pipelette 10 fois pire que moi, alors. Salut David Zambito. Oh, oui, mais si je prends pas une box ou quelque chose pour goûter, voilà, en cas où, comme ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est là où je fais mes prépas, mes recettes, hein, c'est ma petite réserve. Voilà, pour ceux qui connaissent pas mon shop, c'est ma petite réserve, là où j'ai un tout petit peu de matos. Fini. Alors... Johan, j'espère que je vais le kiffer le 07. En même temps, si je l'ai acheté, je pense qu'il y a une petite raison. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Je l'avais testé au VAP Expo, bien entendu. Parce que j'ai encore une autre recette que j'ai fait hier. Je vous en parlerai une autre fois. Visite intramuros, il dit à Dibou. Oh, ouais, je sais, Michael Billet, un tout petit peu petit le stock. Il me faut un local plus grand. Salut, Papouche. Bon. Ah. Donc. Pour ceux qui connaissent, c'est bien. Pour ceux qui connaissent pas, donc le baril oil, la petite particularité, c'est que voilà, ils sont livrés dans des petites boîtes type carton à PQ, hein. Parce que si on prend comme ça, on met le PQ autour, c'est du PQ. Salut Mimi. Ciao Oriane. Donc à l'intérieur, vous voyez, bon, après là, c'est comme un rouleau de PQ, hein, c'est pareil. À l'intérieur, il faut pas avoir des gros doigts. À l'intérieur, vous avez 2 flacons de 10 ml. Donc, ça vous fait 20 ml. Et vous avez... J'entends qu'on a tous le dessin animé entre midi pour les gamins. Ben oui, Divine. Quand elle est là, ma fille, c'est des animés. Mimi, ça va et toi? Quand c'est que tu passes boire un café avec moi? Tu fais que passer devant la boutique, tu t'arrêtes jamais toi non plus, quoi. Donc voilà, on a toute l'affiche, les notices, les explications, nicotine, pas nicotine, précaution, pas précaution, tout quoi. C'est ciao Pierre Paolo Panzo. Salut Natacha. Voilà, donc le papier dans le rouleau à PQ.
T'inquiète, Jérôme, au Maurizio Sarti, si vous me regardez, hein, je dis exactement la même chose des survival, parce qu'ils ont la machin comme ça, on dirait vraiment le rouleau de PQ. Pour moi, ça, c'est des rouleaux à PQ. Hein, juste qu'ils ont mis un bouchon en bas et un bouchon en haut. Mais, vous voyez quoi, pour moi, ça reste du PQ. Bon. Salut Audrey Doyenne. J'essaye de me souvenir de la chose, quoi. Evelina, alors, ça c'est ma fille, je vous préviens, elle est pire que moi, donc, mais bon. Alors, j'ai cru comprendre. Bon, papa. Evelina, non, je parle avec les gens, maintenant tu restes tranquille. Non, c'est pas un t-shirt déjà, Audrey, c'est un polo. Et puis, non, j'en ai 14, donc je me change un polo par jour. Mais, effectivement, c'est le même orange, toujours avec le nom de ma boutique, Audrey. Johan, les deux fioles ont une seule soirée, ça va être un peu de trop quand même, hein, parce que je vape énormément, mais pas 20 ml, quoi. Mais bon, après, si tu les drips, c'est sûr que ça va aller plus vite. Arrête! C'est drôle! Ba-ba-ba-ba-ba! Donc, à premier abord, la vanille. Oui. Non. Là, je parle maintenant, c'est pas l'heure de faire des bêtises. Papa, il ne fait jamais de bêtises à la caméra. Ok? Ok. Donc, aussi en italien, parce qu'il y a quelques Italiens qui sont en train de me regarder et qui me suivent, quoi. Donc, la vanille. Après, je vais... Qui t'a tué, Gustavo? Ma fille? Voyez, si tu savais, elle est calme, là. Mais tu vas pas montrer ta dent qui bouge, oui, il y a ta dent qui va... Arrête, il y a tout le monde qui va savoir que tu resteras sans les dents après. Non, papa. Alors, après la vanille, j'ai de la pistache. Donc, pistacchio, vanille, pistacchio. Leggero. Donc, il est léger, hein. Arrête! Mais! Salut Yannick! Mais! Oh. Punaise! Tu me laisses mon bras tranquille, ouais! Oh voilà! Papa, je fais mon papa, voilà! Mon papa et mon président et Guillaume! Oh voilà! Tout le monde, bisous, au revoir! Mais non, quel au revoir! Donc, c'est normal qu'elle parle comme ça, ma fille. Elle est 10, donc elle s'améliore. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'après ça commence à dire. Pas qu'après ça commence à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle parle pas bien. Elle est 10, donc cool. Cool. Et regarde où papa casse. Il est 1, 1, 1. On fait la danse? Oui. Allez. 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est la danse d'Evelyne, c'est la danse d'Evelyne. Hey, allez, allez, allez. Mais quel genou, papa? Tu fais 47 kilos sur le genou. Non, non, là. Voilà, mais bouge pas. Bouge pas. Eh oui, Mimi, c'est normal qu'on a la même tête, c'est ma fille. C'est ma fille. Comme ça. Mimi. Sébastien, je suis en train de le dire. Qu'est-ce que c'est le 07? Le 07? Coucou, ma FF. Je sens la vanille et la pistache. Après, derrière, il y a comme une sensation de léger caramel. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé aussi confirmation à Jérôme Berthe. Salut, Johan Sobap.
Salut Maxoum, débrouillard. J'ai demandé confirmation à Jérôme Bert tout à l'heure. Non, tu ne peux pas. Donc par rapport aux saveurs, et il vient de m'écrire parce que voilà, il m'écrit pendant que c'est Mimi. C'est de la crème brûlée. Donc vous voyez, je ne suis pas loin. Il m'écrit pareil avec la vanille et une pointe de pistache. Donc je suis plein dedans. C'est non, papa, arrête. Hop là. Je suis plein dedans. Allora, in italiano, la vaniglia, della crema e del pistacchio. Salut Diplo. Agréable. Très agréable à vaper d'ailleurs. J'aime les liquides qui ne sont pas persistants, qui ne sont pas lourds. Ah oui, Ludivine. Donc Ludivine, elle écrit, j'aime bien, mon mec il regarde ta vidéo mais il répond pas à mes messages. Et il va divorcer de toi, Ludivine. Johan, il dit, pour moi c'est de la vanille caramel et, entre parenthèses, céréales. Donc est-ce que cette crème brûlée va donner la sensation des céréales? Non, tu vas tomber, tu vas te faire mal, laisse-la. Allez, t'es fort, vas-y, travaille un peu. Hop. Vas-y, travaille ma fille et ramène les boissons derrière. Salut Florian. Donc oui, Johan, c'est sûr que on a la vanille. Dès qu'on tire la bouffée, on a la vanille. Boum. Après, tout de suite après, il y a la pistache qui vient. Et cette pistache, qui n'est pas forte, c'est vraiment le soupçon de pistache. C'est pas mal. Et pour la crème brûlée, oui, la crème brûlée, céréales, caramel, on est là. Donc, attends, je vais juste écrire à Jérôme parce que je pense qu'il n'a pas capté Jérôme Bert que je suis en direct. Je suis en direct et je parle de toi. LOL. Parce que lui, il écrit. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Voilà. Donc mon Johan, mon nounou. Voilà, Jérôme qui met le petit chien en image qui fait parce que j'ai marqué, oh, je suis en direct et je parle de toi, arrête de m'écrire. Ah, il marque, tu parles en bien j'espère. Je sais pas Jérôme, t'as qu'à venir en direct. Ah oui, en effet, Johan, j'aime, parce que donc il écrit produit pas lourd, comme tu dis, oui. J'aime ce qui est liquide, qui ne sont pas lourds. Putain, parce que je ne sais pas, c'est moi, bien entendu, c'est moi. Mais moi, au bout du une heure, quand je commence à vaper tout ce qui est le liquide lourd, soit j'ai le sucre qui reste en bouche, et c'est dégueulasse, je ne peux plus vaper de la journée, soit... Je crois que salut Laura Rodriguez qui devait venir me ramener le croissant et boire le café ce matin, qu'elle n'est pas venue parce qu'elle a mal à la main. Je vais te choper et t'avoir la fessée. C'est quoi le suivant, Sébastien? Je ne sais pas. Je vais te dire ça. Ouais, c'est les bisous. En tout cas, ça va bien. Grazie, Carmen Zanotto. E complimenti di cosa? Scusa, perché complimenti? Che? Perché sono bello? Lo saccio. Il dit Jérôme, zop, je peux pas interagir. E vedi, prends un à la fois, papà. Parce que sinon, je prends le fouet et je te fouette après. Ok? Ces gamins qui savent même pas travailler comme il le faut. Attends Laura, je finis la vidéo là, la directe, et je vais te mettre la fessée, tu vas voir. Salut Pierre. Ah, Carmen est tua cognata. Oh, che ne so io, ho visto Carmen Zanotto. Ah, ma mi dice complimenti, grazie, sono carino. Che sta a te? J'ai pas vu bien, mais si. Excusez-moi, parce qu'il y a des choses que... Che sta a te comme geste? Montre à papa, che sta a te comme geste? Je veux voir le geste che t'as fait. Les deux doigts t'as fait. T'as fait comme ça? Ou t'as fait comme ça? T'as fait comment?
ne le fais plus jamais. Je n'aime pas. Je suis désolé, vous avez assisté à la fessée en direct. Il y a un respect qui doit se faire dès le jeune âge. Sinon, Jean, il part en bête. Salut Tom. Salut Nico. Hier, tu ne devais pas passer, Nico. Salaud, Nico Koya. Oui, je passe sûrement cet après-midi. Elle avait fait deux doigts. Ok, Laura. Bah oui, Johan, c'est comme tous les papas. On essaye d'éduquer au mieux. Après, j'ai vu le geste vite fait. Je ne savais pas si c'était un doigt ou deux doigts. Donc, voilà, précaution. Bing. Et puis, voilà. Salut, Rémi. Oui, papa, oui, tu peux. Elle travaille. Ma fille, je vais vous montrer. Hein, elle travaille. Hein. Regardez. Elle ramène les boissons derrière. Elle les stocke. Voyez-vous. Après, elle repart de l'autre côté. Voilà, elle reprend. Ça s'appelle l'esclavagisme moderne. Doucement, ne cours pas, ma fille. Voilà, alors. Vous voulez qu'on fasse... Ah! J'ai des origines de Sicile. Ah, moi, pas que les origines, mais pas de Sicile, des Pouilles, c'est pareil. Si tu passes, Nico, je passe te voir. Ok, prochain. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait des muscles? Wow! Elle est devenue trop forte, ma fille. Regardez! Wow! Elle est forte. Et toi? Regarde! Bon. Alors. Maurizio Sarti, donc Barry Loyal avec Jérôme, ils m'ont envoyé le 60. J'ai du ménage. Laura, s'il te plaît, hein, si tu veux, je peux te la faire, une fille, comme ça, ça me dérange pas. Mais voilà quoi. Et ils m'ont envoyé. Ah, waouh. Un cigare. Par contre. Oh, ça fait cochon. Oui. Non, papa, je dirai après. Ah! Il y a des fioles dedans. Ouais. Supérieur. Moi, par contre, 8 au nicotine. Ils veulent me tuer ou quoi? Jérôme Bert, si tu me vois, mais tu veux me tuer ou quoi? Oui, c'est un cigare électronique, oui. Mais non, c'est rien, c'est un tube. On dirait le machin pour les filles où mettent les tampax dedans, vous savez, c'est pareil. Bon, un peu gros, mais... Bon, donc pareil, la même feuille illustrative qui est à l'intérieur avec les avertissements et les choses comme ça. Je remets un dedans parce que deux, ça sert à rien. Là aussi, je remets un, que ça sert à rien. Regarde, papa, j'ai réussi. T'as réussi? Oui, regarde. Bon, putain, parce que je vais mourir, oui, ton nicotine, mais... Jérôme! T'es malade! J'ai mal! Automatiquement, vu la forme, ça doit être un tabac. Hop! J'ai dit un mot interdit. Salut Davidou! Salut Brice! Qu'est-ce que Mac Dilek? Le machin où on met le tampax? Écoute, Dilek, fais comme tu veux. Tu mets le tampax ou tu utilises comme tampax. Fais comme tu veux, c'est pas un problème. Si tu veux, je te le prête. Passe et je te le prête. Jean en orange. Oui, mais c'est toujours le même, David. Mais on dirait qu'on m'a jamais vu en orange. Toujours en orange, c'est ma couleur, orange et gris.
Bon, si je meurs, vous direz à Jérôme Berthe que c'est un salaud, que c'est un... C'est pas un god. Non, c'est pas un god, Brice. Que c'est un... Ah, tu laves par terre. Que c'est un connard. Parce qu'il m'a envoyé du 8. Qu'est-ce que vous voulez que je foute du 8, que je suis entre 0 et 3? Ils veulent ma mort. Ok, eh ben... In nomine Patris. Amen. Salut Yannick. Zakakart. Eh ben. Du coup, on va rappeler doucement. Je peux pas. Je peux pas. Donc je n'arriverai pas à le déguster. Je n'arriverai pas à savoir ce que c'est. Je suis désolé. Je peux pas. Je peux pas. C'est 8, c'est énorme. Je peux pas. Appelez-moi chochotte, appelez-moi comme vous voulez. Je m'en tape d'ailleurs, mais je peux pas. Donc le 60, je peux le faire parce que c'est du 3. Voilà, voilà. Pété de rire, ça me fait le même effet quand tu me files du 3. Ben, prends du 0, Dilek. Trop fort pour les gamins. Oui, c'est trop fort pour les gamins, Zach. Non, mais bon, 8, c'est ça fait longtemps que j'ai passé... Oui, ça fait mal, Brice. J'ai la tête qui tourne. So. Maman. Salut Gaëtan. Non, on n'a plus du tout l'habitude, Brice. C'est waouh. C'est quoi ce 60? On sent un fruité. C'est quoi, de la mangue? C'est quoi, du raisin? De l'orange? C'est quoi? Tiens, on va voir, on trouve une info. C'est quoi? Là, je suis curieux maintenant. Oh putain, le 0,8 au nicotine, ça m'a tué. Ouais, c'est ok. Je dis pas que j'étais loin, j'étais quand même loin, mais donc sur le site du fabricant, il vous marque du strawberry. Par contre, c'est le kiwi qu'on ressent. Donc vous voyez, quand je parlais déjà orange machin, l'acidité. Donc c'est le kiwi. Salut Julie. Bon, le yaourt. Ils disent yaourt sans mairie. Je vais imbiber encore une fois parce que... Peut-être que c'est le 8 qui m'a ruiné, qui m'a tué. Non, no, Marina, avevo pensato arancio e un altro frutto, però dice che ci sta la fragola, il kiwi e yogurt. Io sento il kiwi, un po' di fragola, ma non sento lo yogurt. C'est le kiwi qui domine, mais alors largement. La fraise, pareil, elle est légère. Après, les yaourts, je suis désolé. Salut Christine. Désolé, les yaourts, j'arrive pas à le sentir. C'est comme ça, hein. Pas la peine que je vous dise, oui, toi, c'est trop bon. Je le sens. Vous vous souvenez, j'ai déjà dit, sur d'autres liquides. Là, les yaourts, je le sens pas. Je sens le kiwi, je sens la fraise maintenant, il n'y a aucun problème. Salut Loïc. Mais je ne sens pas les yaourts. Attendez, parce qu'il y a...
Qu'est-ce que veut mon ami? Hello friends, top box mini, pico power, power nano, vismec 200S, box mini, c'est... J'ai tout en stock, moi aussi je vais l'écrire à la chinoise, moi aussi. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que t'as fait avec le sachet? Ma, prends un sachet, allez. Voilà, c'est... alors... À part le goût tabac, à part le goût tabac que je n'ai pas pu l'apprécier ni goûter parce que oui, c'est trop nicotine pour moi. Détroit, je préfère, mais alors largement quoi. Le 07. Le 07. Oui, ma fille. Non, mais après, toi, tu commences, je peux prendre juste ça, puis après, elle me vide le magasin. Puis après, quand je vais pour trouver les produits, tu trouves les produits du premier étage au quatrième étage. Celui-là qui est là, qui est là. Ah, voilà, Jérôme qui m'a répondu. Fraise kiwi yaourt. Greek cream. Donc, c'est quoi? De la crème grecque. Je sais pas. Attendez, je vais juste insulter Jérôme en privé. Oui, ok pour le tabac, mais mon salaud, tu me l'as mis en 8 mg. Je suis en train de mourir. Voilà, comme ça il le sait, pas de problème. Et il rigole. Vous voulez voir? Regardez-moi ça. Moi, je dis, je suis en train de mourir. Si la caméra... Et celui-là, il m'envoie le chien qui rigole. Mais il est fou, ce mec. Il est fou. Allez. Allez. La caméra, il vient plus. Jérôme, il rigole. Il envoie le chien qui rit. Voilà. Non, mais le 07. Ok, le 07. Je me souviens maintenant pourquoi je l'ai commandé. Je l'avais testé au Vape Expo. Et parmi tous, j'avais dit, oui, tu m'envoies quelques 07. Pas James Bond, hein, parce que là, sinon, je voulais aussi les James Bombette à côté. Salut Jacko Jack. Voilà, ma fille, elle m'a vidé le magasin, elle a mis tout dans le sachet. Maintenant, tu me ranges tout, papa? Oui, mais... Non, je n'attends pas, tu me ranges tout. Et j'avais dit, voilà, tu m'en envoies 15, 20 en 3, etc., 5 en 6, 5 en 0, pour commencer à tester aussi en boutique et pour que les gens puissent commencer à voir et à tester, quoi. Donc le 07, oui, ça, c'est là et on peut le vaper. Mais bien, voilà. Je le répète, agréable. Je pense qu'effectivement la fiole, je vais les 10 ml. Je vais me la finir. De toute façon, à changer un peu. Je suis, vous le savez maintenant, je suis hyper difficile. Hein, je vape toujours les miens. Le bohème et le castique mélangés. Mon tabac gourmand avec. Mon ananas, pamplemousse, citron menthe, mélanger les deux ensemble et moi j'adore ça. J'arrive pas à changer de goût comme tout le monde, hein, qui tous les jours peuvent vaper un goût différent. Celui-là maintenant, voilà, je pourrais vider ma fiole tranquillement. Jérôme, arrête d'écrire maintenant des bêtises, il met des sourires, des machins. Eh oui, le bohème, je sais. Le bohème, c'est mon petit péché mignon. D'ailleurs, maintenant, je les ai fait avec les flacons, les grands, quoi. Je les ai transformés en... Lili, hein, ne mélange pas ton papa, s'il te plaît.
Mais là où il était. Donc voilà, le nouveau flacon bohème, l'ancien, le nouveau, voilà, un peu plus clair, un peu plus travaillé. Oui, la tête de mort, elle va disparaître, la tête de mort, d'ici janvier. On attend juste. Voilà. Je trouve plus stylé, et puis dans les rayons, ça fait plus rangé, et on peut en mettre un peu plus. Ah, la double smooth. Bon, après, on est sur la base du même café cookie, donc oui, double smooth, ouais. Merci, Jack, pour les flacons Mr. Brewer. Oui, mon cœur. Non, toi, tu n'ouvres pas la caisse, non. Toi, tu vas tout ranger parce que maman, elle va venir bientôt te chercher pour t'amener à l'école. Je dis rien parce qu'on te voit là. Salut Sébastien, le voisin. Maman m'a emmené à l'école sur le voisin habité et on s'est fait habiter. Arrête de tchatcher tout le temps. Arrête de faire comme ton papa. Et après, maman mange ça à l'école. Et après, quand je mange, c'est attaché à moi. Et mon papa mange ça à l'école. Bisous. Voilà quoi. Mais il est bon. Il est bon. Le 07, vous pouvez y aller. Vous pouvez. Non, papa, tu ne peux pas. Il n'y a pas de place. Vous pouvez le vaper. C'est bon, je pense que vous allez l'adopter très facilement. Hein. Une fois goûté, on prend volontiers. Les prix de vente, je peux l'annoncer. Bonjour Patricia. Les prix de vente, je peux l'annoncer. Bien entendu, j'ai parlé avec Jérôme, j'ai parlé avec Maurizio et tout ça. Parce qu'il y en a certains qui sont en train de faire des choses qui ne se font pas derrière, mais ce n'est pas grave. La marque ne le mérite pas. Donc Barry Loy ne mérite pas ça. Alors les prix de vente pour le baril avec deux flacons de 10 dedans, ils seront en vente à 10,90 €. Salut Brice, à la prochaine. Voilà, vous connaissez aussi le prix. On va dire qu'on est vraiment dans le marché actuel et en compensation, vous avez un petit baril qui va vous servir à rien. À rien. Parce que si vous mettez ça sous étagère chez vous et que vous êtes marié, donc soit votre femme, soit votre mari, il va passer derrière avec un sac poubelle en dessous. Papa. Tu vas te couper parce que ça fait mal, papa. Laisse. Ça, c'est dangereux. Donc, voilà. Mais c'est joli. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Ça peut vous servir pour stocker vos coils ou autre petite bêtise. Ou pour transporter encore autre chose. Cependant, je vais emballer ma fille là parce qu'elle veut être emballée. Voilà. Après, je vais lui mettre ça là, ma vie. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà. Je l'ai bandé comme ça. Voilà. Ma bouche. Bon, ça marche. Bon, regarde mes dessins. Je pense que là, on va couper. Salut, Jérémy. Dos Santos. Je pense qu'on va couper comme ça tout le monde là parce que c'est l'heure du repas, les pauses, les machins et après comme ça tout le monde peut aller manger, peut aller se reposer. Sur ce, j'attends toujours d'autres faire une tirelire avec des économies du tabac. Pourquoi pas, Patricia? Mais pour ce qui me concerne perso, celui-là il va se remplir en 2 jours. Donc tu sais après combien de barils oil il faut acheter pour faire comme tirelire. Voyez. Mais pourquoi pas, oui, commencer à mettre les centimes dedans, ça peut être déjà pas mal. Sur ce, mes amis, Chanel Gaillot, yo, ça fait de long temps que je te ne vois pas et que je te ne parle pas. Ciao Rosa Greco, ma petite chérie à moi. C'est une chérie que j'ai
pas, mais c'est ma chérie quand même. Et moi aussi. Toi aussi. Ah oui, mais toi, t'es ma chérie, t'es ma fille, c'est normal. Qui, voilà, qui c'est qui, voilà. Elle me saoule, ma fille. Elle s'appelle, elle s'appelle Pierre Picon. Pas Pierre Picon, Pierre Picon. Mais elle me saoule. Tu vas te faire mal. Non. Si. Non, je regarde pas, je le sais. So. Allez, parce que c'est l'heure que la petite part aussi à l'école, quoi. Au revoir, mon dos. Au revoir, tout le monde. Bisous, tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.